Thibaut Courtois viene de ser el incontestablemente el mejor portero del mundo. Thibaut Courtois est sans doute l'un des meilleurs gardiens du monde. Mais vous saviez qu'il détestait ce poste? Ou qu'il a failli arrêter le foot pour un autre sport? Eh oui les amis, l'histoire de Thibaut vaut la peine d'être racontée, et vous allez comprendre pourquoi. Voici 9 choses que vous ne saviez pas sur l'incroyable muraille du Real Madrid. Numéro 1, ses idoles. Bon, vous l'avez peut-être deviné, Courtois a admiré les meilleurs gardiens de la planète. Le Belge a eu de nombreuses idoles, mais l'une d'elles est au-dessus de tout le monde. Mes idoles étaient Casillas, Buffon et Van der Sar. Je me souviens de ces matchs et je l'adorais, mais je dois aussi dire que je regardais Van der Sar, parce que quand j'avais 14 ou 15 ans, j'avais plus le style de Van der Sar que celui d'Iker. Courtois a d'ailleurs eu la chance d'affronter Casillas. C'était quand il jouait pour le rival du Real Madrid, l'Atlético. Mais même à ce moment-là, Thibaut n'a jamais caché son admiration pour le gardien espagnol. En fait, le Belge a même avoué qu'être fan d'Iker lui avait fait aimer un club en particulier. Numéro 2, son équipe préférée. Quand Courtois dit qu'il vit son rêve, il ne ment pas. Il est fan du Real Madrid. Et il l'est depuis tout petit. Et ça, c'est grâce à Iker Casillas. J'adorais Iker, et c'est pour ça que j'ai commencé à suivre ce club. J'ai acheté le maillot d'Iker, j'avais un immense drapeau du Bernabéu dans ma chambre. Je dis que je suis madridista depuis que je suis petit, mais parce que j'aimais Iker. J'ai commencé à le suivre, lui et l'équipe, et j'en suis arrivé à aimer le club. Courtois a aussi expliqué qu'être fan de Casillas était l'une des raisons pour lesquelles il avait signé au Real Madrid. Et vu qu'Iker a fini sa carrière à Porto, est-ce que les supporters portugais peuvent espérer voir Courtois terminer sa carrière là-bas? Numéro 3, ni gardien, ni footballeur. Allez, assez parlé de l'amour de Courtois pour Casillas. Saviez-vous qu'avant de devenir un très grand gardien, Thibaut était défenseur? Quand il avait 8 ans, Courtois joue pour le club belge de Genk en tant que carrière gauche. Mais le club a très vite décelé son potentiel en tant que gardien, alors il a changé de poste. À ce moment-là, Thibaut a failli arrêter le foot pour jouer au volley. Il y a des coïncidences dans la vie. J'ai failli abandonner le foot pour jouer au volley, parce qu'être gardien de but n'était pas ce que je voulais. Et je n'ai pas pu m'inscrire au volley parce que la date était passée, alors j'ai continué le foot. Le volley n'avait rien d'anodin pour Thibaut. Ses parents se sont rencontrés en jouant pour l'un des plus grands clubs de volley de Belgique, le Genk Hoogvliet VC. Et sa sœur Valérie joue même en équipe nationale. Mes parents jouaient au volley et c'est un sport où il faut que les grands aillent très vite au sol. Depuis que je suis enfant, j'ai l'habitude de plonger dans le jardin et de jouer au beach volley. Cela a aussi fait de moi le gardien que je suis et ça m'a beaucoup aidé. Numéro 4, ses surnoms. Courtois est généralement connu sous le nom de la pieuvre. Pas vraiment besoin d'expliquer pourquoi, mais son agilité, ses réflexes et sa vitesse pour arrêter les ballons lui ont valu ce surnom. Mais ce n'est pas celui qui nous intéresse. Plusieurs gardiens se font surnommer la pieuvre. Mais Courtois n'est pas un gardien comme les autres. Et il mérite un surnom en particulier. Il l'a obtenu lors de ses débuts avec le Real Madrid, grâce à Sergio Reguilón. L'ancien défenseur du Real a trouvé le surnom actuel de Thibaut. La girafe. Regui m'appelait girafe à l'entraînement. Et c'est resté. Là aussi, ce surnom est assez explicite. Courtois mesure 2 mètres. Mais bon, ça ne l'empêche pas d'être parmi les meilleurs gardiens de la planète. Numéro 5. Le triangle amoureux. Si je vous dis Caroline Nijnen, ça ne vous dit peut-être rien. Mais à cause d'elle, Courtois a fait la une des journaux. Et pas pour ses performances sur le terrain. A l'époque, Caroline était la petite amie de Kevin De Bruyne. Et elle affirme avoir eu une relation secrète avec Thibaut. J'ai eu des conversations intéressantes avec Thibaut. Et il a même cuisiné pour moi. Kevin n'a jamais rien fait de tel. Étant à Madrid, je me suis souvenu que Kevin m'avait trompé. Et je me suis dit, pourquoi ne pas lui faire pareil? A l'époque, Oh My Goal a mené l'enquête, alors on n'ira pas dans les détails. Mais cette rumeur a causé pas mal de tort à Courtois, et surtout en équipe nationale. D'après certains médias, plusieurs joueurs, dont De Bruyne, ont arrêté de parler à Thibaut. Numéro 6, ses records. Courtois a beau jouer pour le Real Madrid, il a marqué l'histoire en tant que joueur de l'Atlético. Il y a remporté la Liga, l'Europa League et la Coupe du Roi. Mais Courtois a surtout battu le record du plus grand nombre de minutes passées sans concéder le moindre but pour un gardien des Colchoneros, à domicile et à l'extérieur. Lors de la saison 2012-2013, Courtois a passé 820 minutes sans encaisser de but au Vicente Calderón et 680 minutes sans en encaisser à l'extérieur. Bien que son transfert au Real ait brisé le cœur des fans de l'Atlético, Courtois reste une légende des Colchoneros. Avec le Real, la girafe a passé 538 minutes sans encaisser de but.
ça fait presque 6 matchs de suite. Mais c'est encore loin du record de Casillas avec ses 952 minutes. Pas grave Thibaut, tu as encore du temps pour le battre. Numéro 7, les langues. Courtois peut se vanter d'être polyglotte. Alors, c'est pas Lukaku non plus, il ne parle pas 9 langues. Mais l'ancien gardien de Chelsea en parle quand même 4. D'abord, il y a sa langue maternelle, le néerlandais. Courtois est né à Bray, dans les Flandres, où le néerlandais est omniprésent. Thibaut parle aussi un très bon français, qui est aussi l'une des langues officielles en Belgique. C'est pas mal, non? Mais la pieuvre parle couramment anglais et espagnol. En fait, ses enfants Adriana et Nicolas sont restés à Madrid quand ils jouaient à Chelsea, donc on suppose qu'avec eux, il parle espagnol. En tout cas, il semble plutôt d'accord avec Kylian Mbappé, qui a dit que parler plusieurs langues était essentiel pour une star du foot. L'anglais est très bon, ton espagnol aussi. Non. Non mais, oui, non, je vois de ton oui, il est bon, il est bon, il est bon, il est très bon, il est très bon, il est très bon, mais c'est parce que j'ai voulu être un grand joueur de foot et j'ai voulu aussi être un personnage public et quelqu'un d'important. Aujourd'hui, tu peux pas vouloir être une star internationale et parler que français. Ça n'a aucun sens. Il faut savoir s'adapter. À toutes circonstances, tu arrives là-bas, tu sais parler, voilà ça. Numéro 8, son pire cauchemar. Vous savez quel est le joueur qui a marqué le plus de buts face à la girafe? Indice, c'est une légende du Real Madrid. Il crie « Siou » quand il marque. Oh, et c'est le meilleur buteur de l'histoire du foot. Ouais, le pire ennemi de Thibaut, ce n'est autre que Cristiano Ronaldo. En 9 matchs face à Courtois, le Portugais a marqué à 10 reprises. Et Thibaut n'a même pas pu jouer avec lui. C'est le meilleur joueur du monde. Jouer contre lui n'a jamais été une tâche facile. Je pense que c'est toujours le même joueur, mais j'ai évolué. Cristiano a quitté le Real peu avant l'arrivée de Courtois. Heureusement pour lui, ils ont joué dans des championnats différents depuis qu'il est madrilène. Allez, on est presque à la fin de cette vidéo. Le dernier fait est assez spécial. Il inclut des fans, les réseaux sociaux et un hommage assez étrange. Numéro 9, le Thibauting. Quand il était à l'Atlético, Courtois était vraiment très fort. Et les supporters ont décidé de le remercier avec un hommage original, mais particulier. Le Thibauting. Cela consistait à imiter l'un des arrêts les plus célèbres du gardien belge. En Belgique, ce mot a même été retenu dans un sondage pour le meilleur mot de sport de l'année. Et il définissait « faire un arrêt à la Courtois, n'importe où ». Et c'est devenu viral. Des centaines, même des milliers de fans ont commencé à faire du Thibauting, un peu partout. Et ça a attiré l'attention de l'intéressé qui n'en revenait pas. Je trouve que c'est bien de voir toutes ces photos et de voir les gens s'amuser. Je suis assez surpris parce que les images ne viennent pas seulement d'Espagne ou de Belgique, mais aussi d'Amérique et d'Afrique. C'est vraiment cool que tant de gens m'imitent. Certains arrivent même à refaire mes expressions du visage. La fédération belge a même lancé un concours de Thibauting. Le vainqueur, un garçon de 10 ans, a reçu un maillot de Courtois porté par le joueur en 2012 face à la Serbie. Et il a même pu rencontrer le gardien. Et voilà l'équipe, on a terminé. Ce sont les 9 choses que vous ne saviez pas sur Thibaut Courtois. Quel fait a été le plus surprenant? A-t-on oublié quelque chose? Dites-nous tout dans les commentaires. Vous l'avez appris dans cette vidéo, Courtois ne voulait pas être gardien quand il était petit. Lui, il voulait percer en tant qu'arrière gauche. Et ce n'est pas le seul gardien de classe mondiale qui rêvait d'évoluer à un autre poste. Si vous voulez en connaître d'autres, regardez cette vidéo où on vous parle de 4 gardiens qui n'auraient jamais dû jouer dans les buts. Merci de nous avoir suivis et à très vite les amis.